Eureka! Nous allons voir ensemble comment poncer de la peinture. Voici les différentes étapes à suivre. Et les outils nécessaires pour poncer. Des bâches, un ruban de masquage, des lunettes, masques et gants de protection, une ponceuse d'angle, une rallonge électrique, du papier abrasif gros grain, un chiffon et un aspirateur. Étape 1, préparez le ponçage de la peinture. Disposez au sol une bâche ou un film polyane. Suivant la surface de la pièce, les films ou bâches pourront être superposés les uns sur les autres pour éviter toute infiltration de poussière. Fixez ce film avec du ruban de masquage. Pour éviter de respirer de la poussière de peinture, protégez-vous avec un masque. Et protégez également vos yeux avec des lunettes de protection. Deuxième étape, le ponçage. Pour toutes les surfaces pleines, utilisez la ponceuse à bande ou circulaire. Utilisez un papier abrasif gros grain. Passez la ponceuse sur la surface au ras de la peinture pour ne pas détériorer le support. Le but est de rayer la peinture ancienne. Enfin, assurez-vous d'avoir rayé la peinture au maximum. Une fois ce ponçage effectué, utilisez la ponceuse angulaire pour poncer les angles ou les parties difficilement accessibles. Dernière étape, les finitions. Avant la pose du revêtement de votre choix, dépoussiérez votre support en vous servant d'un chiffon ou d'un aspirateur. Si besoin, lessivez votre support, rincez, puis laissez sécher. Et voilà, et maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.